Salut tout le monde les amis, c'est Cruxy, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, en principe, sur Modern Warfare 2. Je vous parle pas en même temps que ce que vous voyez à l'écran. Comme ça c'est plus simple, j'ai 2-3 petits sujets à aborder avec vous. Ce sera pas bien long, mais c'est important. Premier truc important qu'il faut que je vous dise les amis, ça concerne le labyrinthe Minecraft que je suis encore en train de faire. Dans la semaine sûrement... il va falloir que des volontaires se proposent à moi sur Twitter, sur Facebook, j'en parlerai sur les réseaux sociaux au moment où j'en aurai besoin, pour venir m'aider à fignoler le labyrinthe, parce que bah, j'ai fait tout le labyrinthe, disons plat quoi, mais il faut monter les murs de plusieurs blocs de haut, et vu que moi je connais pas trop les commandes et tout, et puis alors, ça ferait peut-être plaisir à des volontaires de participer bien sûr, et puis quand on fera le live avec Benoît tout ça, moi j'enregistrerai une vidéo tout ça, qu'on fera tout ce qu'il faut dessus avec vous, on n'en mettra pas bien sûr de citer ceux qui m'auront aidé. Donc si certains d'entre vous sont preneurs, pensez à bien me suivre sur Twitter et sur Facebook, à vous tenir informé, de regarder un petit peu ce qui se passe, comme ça au moins quand j'aurai besoin de personnes, si vous êtes motivé, ben au moins je vous prendrai, je sais pas de combien de personnes j'aurai besoin, mais en tout cas ce sera cool, ça ira plus vite et comme ça on pourra plus faire de trucs dessus, ce sera bien cool. Ensuite, un autre truc à vous dire, c'est au sujet... vous savez que là, en ce moment, j'ai un truc fixe un petit peu sur ma chaîne qui consiste à faire que le mercredi, je fais le let's play, si on peut appeler ça un let's play, hein, mais la série sur Trial Fusion, que j'ai enregistré le jour de la sortie, j'ai enregistré tous les épisodes d'un coup. Au bout d'un moment, ça va se terminer, je continuerai, je remplacerai par d'autres trucs sur Trial, évidemment. Et le vendredi, aussi, c'est tout ce qui est défis, tutos, trucs comme ça, il y aura des Cruxy tout terrain, parce qu'il y a des pistes cool qui commencent à sortir, donc tous les vendredis, ce sera pareil, à 18h, je vous propose des vidéos comme ça. Et je me suis dit aussi que ce qui pourrait être cool, c'est qu'un autre jour dans la semaine, je pense par exemple au dimanche, je puisse vous proposer d'autres trucs. Et vous savez très bien que, enfin pour ceux qui ne le savent pas, ben, je vais vous le dire, moi je suis un grand fan de Mario Kart. Et Mario Kart Wii, enfin Mario Kart 8, pardon, qui sort sur Wii U, va sortir le 30, enfin dans un mois ou un peu moins d'un mois, enfin bref voilà. J'ai commandé ma Wii U avec le jeu, j'ai commandé le pack. Je le recevrai le jour de la sortie, comme ça je pourrais vous proposer des trucs. Bien sûr, on vous fera des trucs sur le live de Benoît tous les soirs. Vous savez que Benoît est en live, on fera des trucs avec Playfan et tout, comme on a fait là récemment sur Modern 2, et on va continuer à faire des trucs ensemble, je pense, parce que c'est cool de se retrouver ensemble et de jouer ensemble. Donc on fera des trucs, mais moi je vous annonce direct, même si... Enfin, je vais voir après, parce que vous savez que YouTube et Nintendo, c'est un peu le bordel. Nous, pour les YouTubeurs, pour vous proposer des vidéos sur des jeux Nintendo, il y a des fois, c'est un peu compliqué, parce que... bon, il y a l'histoire des pubs là, qui passent pas, mais ça, limite, on s'en fout. Mais il y a le souci des strikes ou quoi. Et je sais pas comment ça se passe, vu que moi, je fais pas trop de vidéos sur des jeux Nintendo. Je sais pas trop si je risque des strikes ou des trucs comme ça. Donc, je verrai le jour de la sortie comment ça se déroule un petit peu. Mais en principe... après eux qui prennent les pubs ou pas, je m'en fous complètement. Mais je vous ferai des vidéos sur Mario Kart 8 sur Wii U, puisque moi je suis un grand fan du jeu, je pourrais vous faire même des tutos sur des pistes et tout, parce que je sais qu'il y en aura certains qui aiment faire des chronos et des trucs comme ça, et vu que moi j'ai beaucoup joué au précédent et tout, je connais bien le truc, je pourrais peut-être vous apporter conseils et faire quelques trucs avec vous, des parties, des trucs fun et tout, enfin tout un tas de trucs cool. Il y a aussi un autre truc que je veux faire quand j'aurai ma Wii U. Vu que ma Wii est pétée, je pourrais jouer à des jeux de Wii. Et je me suis dit que ce qui serait cool, c'est de vous faire... J'aimerais bien reprendre un petit let's play, je vous avoue. Mais moi, ce que j'aurais voulu faire, et là, je vous avise dans les commentaires, ce qu'il y a, c'est que j'ai toujours voulu faire les let's play de Uncharted, le 1, le 2 et le 3 à la suite. Seulement, c'est super long. Et j'ai peur de ne pas avoir le courage de m'embarquer dans un truc et de pas terminer comme j'ai fait pour Red Dead. Quoique Red Dead c'était un peu spécial vu que c'était un jeu où c'était sous-titré, c'était en anglais et tout, et moi j'avais pas trop d'interactions possibles avec vous, et c'était assez... c'était pas facile en fait. Pour moi c'était pas facile, qui a pas l'habitude, trop l'habitude des let's play, j'en ai fait que 2 ou 3, les Hitman, Metroid, des trucs comme ça, j'avais un peu de mal. Donc là je me dis peut-être que ça peut être cool, mais j'aimerais vos avis en fait, je me lancerai pas dedans, si j'ai pas vos avis je mettrai un sondage dans la description, mais sinon j'ai pensé à faire le jeu Mad World en fait. Le jeu Mad World qui est un jeu assez court, qui sera fini en même pas 10 épisodes je pense. C'est le jeu sur la Wii, là, vous savez, en noir et blanc, hyper sanglant et tout, j'avais fait une vidéo à l'époque qui avait cartonné d'ailleurs.
C'était vraiment vraiment cool et c'est un jeu qui est fun au final. Ce serait un let's play qui serait plus fun plutôt qu'une histoire qu'on est tous ensemble, machin, ben voilà. Parce que ça, bon, de toute façon, je suis pas spécialiste des let's play, donc je vois pas. Il y a sûrement des gens voilà, qui les font mieux que moi, comme je dis toujours pour les let's play en tout cas. Donc au final, je sais pas si un Uncharted ça peut être cool en fait de vous proposer ça. Je sais pas. Donc dites-moi dans le sondage, dans les commentaires, dans tout ça, je ferai un truc qu'il faut pour que ça roule bien. Et comme ça au moins vous pourrez me donner vos avis en fait tout simplement parce que je sais pas trop quoi faire. Mad World je vais le faire c'est sûr je pense, mais est-ce que je me lance dans un truc Uncharted, je sais pas, parce que c'est long, c'est il faut que vous accrochiez, il faut que je vous donne envie de revenir à chaque fois, c'est compliqué, moi je suis pas un pro des let's play donc ça fait que c'est assez compliqué pour moi. Et ensuite il y a un autre truc aussi que je veux vous dire, c'est Chris, bientôt là je vais entamer une série sur Hearthstone, je suis en train de réfléchir à quoi faire justement. Sur Hearthstone, je pense que je posterai, je sais pas, peut-être tous les mardis ou un mardi sur deux ou un truc comme ça à 18h, une vidéo sur Hearthstone, mais je sais pas encore quoi faire dessus. Mais je vais voir, je vais réfléchir parce que c'est un jeu sur lequel je passe énormément de temps ces derniers temps, et comme ça, au moins, je pourrai voir et vous proposer un petit quelque chose. Je crois que j'ai à peu près tout dit, sauf si peut-être encore oui, deux mini-choses. Je réfléchis aussi à des séries avec Playfan, parce que Playfan, on joue beaucoup ensemble et tout, Hearthstone a plein de jeux, on est en train de réfléchir à des trucs. Et ensuite, un autre truc aussi, dans la description, vous retrouvez. Vous trouverez le lien vers le site des Fantastic, The Fantastic. Je fais partie du groupe en fait, et je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Il y a des émissions et tous les mercredis, je peux vous le dire, voilà, tous les mercredis en, il n'y a pas d'heure trop précise parce que ça dépend, mais tous les mercredis en fin d'après-midi, il y a un live qui se fait, qui s'appelle le streaming libre. Et là, c'est le troisième auquel j'ai participé là au moment où j'enregistre la vidéo. Mais je serai pas forcément tout le temps présent dedans, hein. Mais sachez que voilà, vous pouvez aller retrouver le truc. Tous les gens qui pour l'instant ont regardé ont vraiment vraiment kiffé. C'est Benoît qui est un petit peu le maître de cérémonie et qui lance un petit peu les sujets. C'est un débat qui dure à peu près une heure, peut-être un peu plus, enfin, je sais plus exactement, où on parle de plein de sujets différents et tout. Donc c'est vraiment cool, je vous invite à rejoindre le stream en fait quand ça passe. Il y en a tous les jours, il y a plein de vidéos sur le site, il y a plein de choses. Toutes mes vidéos la plupart du temps elles sont remises aussi sur le site, il y a plein de choses de sympa. Donc voilà, je pense vous avoir à peu près tout dit. J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir, en tout cas les petits trucs que je vous ai dit. Tenez-moi informé dans les commentaires. Je vous dis ciao ciao les amis, à plus, et on se retrouve très bientôt pour du trial et beaucoup d'autres jeux. Ciao ciao.